Bienvenue sur le podcast 21 915 jours. 21 915, c'est le nombre de jours qu'ont passé les hommes et les femmes de Rapido à concevoir des véhicules de loisirs qui ont permis à des milliers de personnes de voyager à travers le monde. Dans ce podcast, découvrez celles et ceux qui font et ont fait de Rapido la référence du camping-car et du fourgon aménagé. Dans ce podcast, découvrez comment Marilyn, aujourd'hui assistante achat, est devenue experte dans l'art de déchiffrer aussi bien les comptes rendus que les devis après 20 ans de carrière chez Rapido. Donc bonjour, je m'appelle Marilyn, je suis assistante achat chez Rapido depuis 20 ans. Suite à un déménagement et puis une première expérience dans les achats à pro, j'ai postulé chez Rapido par l'intermédiaire d'une agence intérim parce qu'à cette époque, Rapido recherchait une assistante achat pour un surcroît de travail. Donc après deux entretiens, un premier avec les ressources humaines et puis un deuxième avec Robert Quinton et Thierry Rocher, j'ai intégré Rapido le 13 mars 2001. Donc au tout départ, au niveau travail, c'était vraiment assister Robert Quinton, qui était responsable des achats à l'époque, dans son travail. Donc c'était essentiellement de la relance fournisseur. Quand je suis arrivée, je me souviens, j'avais un gros parafeur avec toutes les commandes qui étaient en retard de livraison. Donc j'ai appelé les fournisseurs les uns après les autres pour connaître les délais de livraison. Et puis, je faisais de la saisie de prix parce que j'étais arrivée en mars. Donc là, on était en pleine période de millésime. Donc, il fallait saisir les nouveaux prix des nouveaux articles pour pouvoir sortir après un prix d'achat véhicule. Le travail s'est amplifié vu que l'entreprise connaissait une croissance. Mon poste s'est pérennisé. Donc, j'ai été embauchée en tant qu'assistante direction technique et assistante achat. Donc, j'avais mi-temps, mi-temps. Mi-temps avec Thierry Rocher et mi-temps avec Robert Quinton. Pour Thierry Rocher, je tapais ses comptes rendus de réunion, donc compte rendu production, nouveaux produits, CHSCT. Je me souviens, je m'arrachais un peu les cheveux parce qu'il a une écriture très particulière, un petit peu type médecin, donc un peu compliqué pour le relire. Donc souvent, j'entourais au crayon papier les mots que je n'arrivais franchement pas à lire. Je lui remettais sur le bureau et souvent, il me rappelait et il me disait verbalement ce qu'il fallait mettre. Et moi, j'écrivais moi-même. Et puis, pour la partie achat, je faisais la consultation fournisseur pour les frais généraux. Donc, on envoyait différentes demandes de devis. Une fois que j'avais reçu les devis, je les faisais valider à Robert Quinton. Et après, je passais les commandes. Donc, après, le suivi classique, livraison, facturation. Il y avait aussi tout ce qui était, on continuait la saisie des prix et aussi tout ce qui était consultation pièces matières premières qui rentrent dans la composition du camping-car. Donc à l'époque il n'y avait pas de mail, donc on envoyait par courrier les consultations et avec tous les dossiers plans. Donc il fallait photocopier les dossiers plans en plusieurs exemplaires suivant le nombre de fournisseurs qu'on consultait. Et après, lorsque ça arrivait, on faisait l'analyse des offres, des tableaux comparatifs. Telle pièce coûte tel prix chez un, chez l'autre tant. Et au global, pour l'aide aux décisions achat à Robert. Un jour, Robert m'appelle vers 11h30 en me disant « Oh, Marilyn, j'ai oublié de commander des plateaux repas. On doit être 10 là en réunion, est-ce que tu peux nous trouver une solution ?» Moi je dis « Ouais, pas de problème, on va vite aller chercher des sandwichs. » Donc je pars, je vais chercher les sandwichs à la boulangerie, je ressors de la boulangerie avec les sandwichs, la boîte de gâteaux dans les mains et hop, un gros coup de vent et la boîte de gâteaux par terre, les tartelettes évidemment à l'envers dans la rue. Donc demi-tour, on retourne à la boulangerie, rechercher des tartelettes et on amène et voilà, tout le monde peut manger tranquillement. Voilà, donc maintenant, j'occupe toujours le même poste. Je suis toujours assistante achat, mais ça a bien évolué parce que maintenant, je fais vraiment que de l'achat frais généraux. Donc, frais généraux, c'est tout ce qui ne rentre pas dans la composition du camping-car qui aide à la production. Donc, il y a différentes familles. On peut le petit outillage comme les perceuses, les visseuses, les forêts, les clés, les lames de scie. Il y a également tout ce qui est entretien matériel pour les pièces détachées, mais les pièces détachées des visseuses, mais aussi les pièces détachées des machines de la menuiserie.
Donc là, c'est du travail souvent un peu dans l'urgence, parce que si une machine de la menuiserie qui est en panne, il faut vite commander la pièce pour pouvoir réparer la machine et arrêter le moins possible la production. Donc là, on travaille dans l'urgence. Il y a également les pièces aussi pour tout ce qui est chariot élévateur. Donc ça, c'est pareil. En général, c'est un peu de l'urgence. Bon, si la panne dure, il faut trouver une location entre deux d'un chariot pour ne pas bloquer. Oh, par contre, j'ai vu quand il y avait des grosses chaleurs d'être obligé de louer des climatiseurs en urgence pour le panneau sandwich parce qu'il faisait trop chaud et la colle ne tenait pas. Donc, par contre, oui, des fois, quand il y a des aléas météorologiques, comme le sel, quand il neige, il faut absolument commander du sel. Il faut en trouver dans la matinée pour pouvoir saler les parkings pour éviter que les salariés ne glissent. On a aussi des aléas, aussi, c'est vrai, météorologiques parfois. Donc, mon rôle aussi, c'est d'être à l'écoute des demandeurs, du demandeur direct, donc soit le responsable maintenance ou soit les responsables production, mais aussi des fois de faire attention à ce que les salariés disent en dehors du temps de travail. Par exemple, à la cantine, moi, je déjeune chez Rapido. Bon, des fois, les gens se disent, par exemple, la visseuse, qu'est-ce qu'elle est lourde tout le temps à la prendre, ça fait mal au poignet. Donc, des petites réflexions comme ça, ça amène après à demander au fournisseur, est-ce que vous n'auriez pas un autre modèle à me proposer, un peu plus léger, plus malléable ? Bon, comme les vêtements de travail, pareil, ça a évolué, mais c'est aussi par rapport aux remarques du salarié. Au départ, les gens avaient des manches longues, des combinaisons en manches longues. Bon, l'été, c'était chaud, c'est trop chaud, le tissu était trop épais, les manches par-dessus d'autres manches, c'est pas confortable. Donc, on avait mis à l'époque un modèle spécifique à bretelles, plus confortable, qui épouse aussi mieux les gestes baissés, remontés. Et puis maintenant, la cote, c'est désuète un petit peu. Donc pareil, on est passé au pantalon dans le but d'améliorer le confort de chacun au travail. Je pense que c'est important de faire attention aux remarques des utilisateurs pour pouvoir apporter du confort et du bien-être au travail. Donc, quand j'ai démarré chez Rapido, mon bureau se situait sur le site des Perroins, donc le site historique de Rapido. Donc là, j'ai été sur ce site-là pendant 12 ans. Donc au départ, j'étais dans le même bureau que Robert Quinton, trois approvisionneurs et une personne de la comptabilité et un acheteur. Et puis au bout de 12 ans, donc je suis passée sur le site production qui est Poirsac, l'autre côté de la nationale. Donc là, avec un acheteur. Et à l'heure d'aujourd'hui, on est toujours dans le même bureau, mais il y a deux acheteurs, un responsable achat et moi-même. Dernièrement, j'ai secondé Jean-Luc Duchemin, responsable des méthodes, dans l'agrandissement du site de production sur le site Poirsac. Rapido a grandi son usine en créant une cinquième ligne de production. Donc, avec Jean-Luc, on a rencontré tous les prestataires qui vont réaliser les travaux. Donc, il y a 16 lots différents, donc gros œuvres, terrassements, charpentes, couvertures, menuiserie intérieure, menuiserie extérieure, chauffage, plomberie, électricité. Donc, sur une semaine, 10 jours, on les a reçus, donc deux par lot pour pouvoir comparer les offres et prendre note s'ils avaient bien intégré tout le cahier des charges et tous les impératifs de délai. Donc après, passage de commande. Et maintenant, c'est le suivi des travaux avec le suivi des paiements également. J'ai parfois aussi donné un peu d'aide à d'autres services, notamment à la création d'Itinéo pour Wilfried Audebeau, qui est le directeur technique Itinéo et Fourgon aujourd'hui. Pour la mise en place, il n'y avait personne au niveau appro, donc j'ai passé les premières commandes chez les fournisseurs, les commandes de pièces matières premières pour pouvoir construire pour fabriquer les premiers Itinéo. Et pareil pour Camperev, mais l'autre côté ADV,
J'avais secondé Pierre Théroitin dans la saisie des commandes clients et les documents concessionnaires également, à l'époque, vu qu'il n'y avait pas d'assistante ADV. Un des meilleurs moments pour moi chez Rapido est le souvenir du LibDub. Donc un samedi matin, on avait enregistré une chorégraphie sur une chanson qui partait du magasin sur le site Poirsac pour traverser toute l'usine dans différents points stratégiques et pour finir sur le grand parking dehors tous ensemble. C'était vraiment une belle journée et un moment très très agréable et convivial. C'était par groupe, donc il y avait un premier groupe au magasin, le caméraman suivait le groupe, il les filmait et passait un autre groupe. C'était des petits groupes de 2-3 en règle générale sur différents postes. Donc moi j'ai eu de la chance, j'étais visionnée 2 fois. Une première fois je dansais une petite chorégraphie de 10 secondes, on était une dizaine, et la deuxième fois deux responsables me faisaient un bisou sur chaque joue. Ce qui est intéressant dans mon travail, c'est qu'il y a toujours des nouveaux projets. En fait, depuis que je suis chez Rapido, il y a toujours des projets, soit la rénovation du site des Perouins, il y a eu la création du site Poirsac, j'étais là au début, donc, et maintenant c'est l'agrandissement, on fait des aménagements aussi, la menuiserie, on l'agrandit, donc il y a toujours des nouveaux projets, donc ça veut dire achat de machines, aménagement aussi des ateliers, donc faire intervenir des prestataires extérieurs pour agrandir, pour faire des cloisons, pour monter de l'air comprimé, de l'aspiration, enfin il y a toujours de nouveaux projets, donc c'est enrichissant et on s'ennuie pas, du coup on apprend toujours plein de choses. On est obligé de se documenter, d'analyser les devis, de comprendre des nouveaux termes qu'on ne connaît pas forcément dans les grosses œuvres, par exemple. Ce n'est pas toujours facile de parler leur langage, donc c'est enrichissant. Merci d'avoir écouté ce podcast. Nous espérons qu'il vous a plu. Retrouvez tous nos autres épisodes sur notre site rapido.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcasts.